Ah non, mais c'est insane. Ce truc, il est insane, vraiment. C'est des tours à plus de 5000 et quelques points de vie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Voilà, donc j'ai fait une petite bêtise, les gars. J'ai cédé à la tentation, malheureusement. J'ai acheté la cape à Cham et le corps à corps à Cham. Donc, il me reste plus de 93 millions. Les nus est toujours pas stuffé en fait. Hein, j'ai attendu justement. Au début, je voulais seulement faire ça après le stuff de l'ennemi, mais en fait j'ai été en HDV et j'ai regardé que les prix commençaient vraiment à baisser, et j'ai surtout vu des items à Cham vraiment pas chers. Donc là les gars, direction Automate, parce qu'en fait je dois restat, je peux pas vraiment porter le corps à corps à Cham, parce qu'il faut 400 de stats intel, chance et air, et chance j'ai pas assez, du coup je dois restat. Chance pour moi, j'ai les reliques. Du coup, bon bah, on y va, c'est parti. Donc voilà, une petite bêtise de ma part, j'aurais dû attendre. J'aurais pas dû céder à la tentation, mais bon, c'est comme ça. Je suis très impatient, les gars, parce que ce stuff-là, vous en souvenez, je l'avais sur bêta. Mais c'est vrai qu'il me manque. Il faut que je change de Mudo, ça, c'est vrai que j'ai zappé, d'ailleurs. Parce que l'autre Mudo, il donne encore plus, c'est la prune émeraude. Elle donne encore plus de coups critiques. Et 20 dommages crit en fait. Donc est-ce que je vais l'acheter dans cette vidéo? Je sais pas, en fait je sais pas son prix. Donc si c'est 3, 4 millions à la limite je peux me l'acheter. Mais si c'est 5, 6, 7, ça craint, parce que déjà que là j'ai plus beaucoup de Kama pour l'Enu. 90, mais après c'est cool hein. J'ai l'Exopea de l'Enutroph. Mais sinon tout le reste, tous les items je vais devoir acheter. Donc après bon, je vais pas devoir non plus le parcho. Il est déjà parcho ça. Bah, chance, je sais pas si je l'ai par chance. Vita, je pense pas. Donc voilà. Mais les Nutrophes, c'est vrai que j'aimerais bien au moins qu'il me reste 40 millions, quoi. Au moins. Parce que sinon, je serais un petit peu dans la merde. Mais au moins, le Kra, il sera full opti, quoi. Le Yop, il est full opti, ça c'est cool. Le Panda, il est full opti. Et Zoba, il est full opti. Je suis vraiment très très content des stuffs que j'ai acheté. Maintenant, le stuff des Nutrophes. Bah, on verra bien. C'est vrai que c'était normalement aujourd'hui que je devais vous proposer l'achat du stuff de l'ENU, mais malheureusement, bah écoutez, ça ne s'est pas fait, tout simplement, parce que voilà. J'ai cédé à la tentation, donc, ah tiens, ça a changé ici. Donc, Kappa Cham, regardez ce G, je l'ai pris, bah c'était vraiment, c'était le premier item, je crois, 8 millions 4. Un Overvita, bon, il manque un dommage feu et deux dommages air, mais sinon le reste est vraiment parfait. Et la prospect aussi, mais bon. S'en fiche un petit peu de la prospection. Et le corps à corps à Cham, c'est pareil. Franchement, c'est le premier corps à corps qui a été en HDV. Il manque juste un docrit en fait. La cape à Cham, il y a tous les docrits. Mais Sabratia en plus, c'est en over rester. Je vous assure, c'était le premier jet que j'ai vu. Regardez, 5% crit, c'est vraiment une panoplie, mais complètement fumée quoi. Bref, on va parler auto. Changer sa constitution, oui, blablabla. Bla bla. Ok, c'est bon. Donc voilà, là. J'ai plus rien en stats, donc je vais mettre 100 en chance. Mais il va falloir que je mette un peu plus, malheureusement. Enfin, malheureusement. Agi, je suis même pas obligé un tel non plus. Donc là, j'ai 307, mais je vais pas pouvoir équiper le corps à corps parce qu'il faut 400 mini. Donc il faut que je monte au moins à. Ça, ça va me bouffer beaucoup de points. Donc 50 points, ça suffit pas non plus. 50. Et là, c'est quasiment ça, quoi. Si c'est bon, je. Voilà, bah c'est parfait. Je peux le mettre. Donc j'ai. Voilà, 400 et tout et tout. Et là, est-ce que je mets le reste en Vita? Je sais pas trop. Donc là, il y avait le Ocre. Je pense que je vais mettre 100 en Intel. Et là là, oh là là. Franchement, quand je vois ces stats là. Et là, je pense que je mets le reste en Vita. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc 100 en Intel, 150 en chance, 200 en Agie. Sur bêta j'avais pas fait ça, sur bêta j'avais mis bien plus que ça. Mais je pense que je vais mettre 400. Après il me reste 195. Je mets 160. Hop, et un petit point de vie. Et voilà, j'ai 4100. Bon allez, je rajoute carrément 4000. Hop. Je me prends pas trop la tête, voilà. 4100 de Vita, donc j'ai bien plus de Vita hein, que... Que comment dirais-je,
que sur bêta. Mais voilà, du coup, bah les gars, j'ai mon stuff. Après le corps à corps là, je vais pas vraiment pouvoir le tester parce que. Attendez, je regarde juste. Donc j'ai combien de pourcent de crit? 69, mais c'est parce que j'ai pas encore changé Mido. Vous savez quoi, je vais voir, hein, je vais voir maintenant. 152 crit, c'est pareil, c'est pas assez. J'ai été monté à 180, 190. Mais pourquoi c'est pas assez? C'est parce que j'ai pas encore le Mido. Donc le Mido, normalement, c'est une prune émeraude. Je suis quasiment sûr. 6% crit, 22 crit, 1 PM, 100 vita. Au début, franchement, j'y connaissais rien au Mido, ça me disait vraiment rien, mais là... Il doit pas coûter super cher quand je vois les prix là. Oh, what? Il coûte vraiment 1 million 4. Et voilà, on a la première. En plus, il vient de la mettre, le gars, il y a une minute. Bah, il sera bien content quand je vais lui acheter. A priori, là, il y a un petit bug, les gars. Je fais une mini pause. À tout de suite. Ok, les gars, bon, c'était un mini problème de co. Donc voilà, putain, je suis choqué, elle coûte que 1,5 million. Est-ce qu'il y en a en caméléon? Si possible, il y en a pas. Ah si, ah ok, les gens. En plus, putain, même pas niveau 100. 20 millions, mais putain, mais ça va être vraiment tendu à faire des Mudo camé comme ça. Ouais, grave, c'était le serveur, ouais. Le serveur qui a eu un bug finalement. Donc je veux pas mettre 20 millions sur un Mudo quand je peux mettre 1,5 million, tant pis pour le skin. Donc voilà, c'est 4 millions. 4 millions, 1 million 4. Et il l'a mis, donc c'est Enus Acromnik. C'est pas la personne qui m'a contacté tout à l'heure pour venir en guide. D'ailleurs, en parlant de la guide, les gars, on est complet. Donc c'est pas 240 membres, c'est 204 membres. Donc voilà, 1 PM, 200 vita, 22 crit et 6% crit. Je l'achète direct, je me prends même pas la tête. Du coup, bon, j'aurai un peu moins de rester, mais c'est pas très grave. Donc, le Mildo là, tant pis, il va bouger. Mais pourtant, en plus, il était vraiment plutôt stylé, hein, le Mildo doré et pourpre. Mais bon, quand je vois qu'une caméléon, ça coûte ce prix-là, 20 millions, non merci, surtout que j'ai plus beaucoup de thunes. Donc, Mildo prune et émeraude, je le mets tout de suite. J'aurais voulu équiper une dragodinde. Non, c'est bon. Donc, voilà, 1 PM, 100 vita, 20 dommages crit. Et 6% crit, les gars. Donc là, on monte encore plus niveau crit. Et bah, je crois que c'est tout au niveau changement. Qu'est-ce qu'il faut que je change là? Je crois que j'ai vraiment le stuff que j'avais sur bêta. Donc voilà, 75% crit. Mais il me semble qu'à un moment, j'étais monté à 80% crit. À moins que j'ai halluciné. Donc en 2 crit, j'ai 173. C'est vraiment bien. 300 de puissance. 2500 initiatives, par contre les résistances, voilà, elles sont pas ouf. J'ai 15, 28, 17, 15, 23, ça va en fait. J'ai un peu plus de reste que sur bêta, je comprends pas pourquoi. Oui, parce que j'ai pris un over rester ici. Et puis c'est tout. J'ai d'ailleurs dû acheter, les gars, ça je vous l'ai pas dit, mais je l'ai acheté en vidéo juste avant de commencer à filmer. Une ceinture strigide, parce qu'en fait j'avais mis sur mon yop, et la mustrigide aussi, bon ça m'a coûté moins de 10 millions. Du coup voilà, il me reste 90 M pile, les gars, je go direct. Vous testez ça en push, même si vous connaissez le Rox. C'est un Rox complètement fumé. Franchement, je m'adresse à vous, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez un Kras de sang, si vous avez les moyens d'acheter le stuff que j'ai actuellement. Après, évidemment, moi j'avais déjà Dofus, Dofus Nébuleux, etc. Mais si vous en avez les moyens, achetez ce stuff. Clairement, achetez-le. Surtout là, Pandore, les prix ont commencé à baisser. Avant, sur mon serveur, sur Hercule, c'était... Il y a encore 2 semaines, hein. La capa de Cham, il n'y en avait qu'une, c'était 15 à 20 millions. Et Sabra de Cham, c'est pareil, 15 à 20 millions. Et là, je les ai achetés, les deux, pour 15 ou 16 millions. Donc là, je crois que j'ai tout, voilà. Donc c'est une panoplie, pas de greffe. Vous mettez toute la panoplie, pas de greffe. Avec un exopé, un exopm. La capa à Cham, avec le corps à corps à Cham. Voilà, tout simplement. Et puis pour finir, donc Baglour PM et 2 items strigides. Et là, vous avez. Là, je vais leur dire de regarder mon combat. Regardez mon combat. Je viens de me foutre en strigide à Cham, pas de greffe. Comme sur bêta, voilà. Aïe aïe aïe. Et franchement, j'ai peur là pour le mob en face. Donc mes stats sont mis. J'ai 600 d'intel, 600 d'agi, 400 de chance,
75% crit, 300 de puissance, 173. Aïe 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 aïe, meilleur staff du jeu. Meilleur staff du jeu. Non, franchement, j'ai pas peur de le dire, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça. Pour moi, c'est le meilleur staff du jeu. Le meilleur staff du jeu. Il est là. Il est là, ce staff. Il est tout simplement là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il est complètement fumé. C'est de la fumade. J'ai jamais vu ça. Je veux dire, quand vous balancez des ralentos à 1100, des explos et des absorbantes, all element rocks. Voilà, tout simplement. De toute façon, ils le savent, hein, guide. Hein. Ils savent que c'est un step. Franchement, on rigole pas avec ce step. Clairement, on rigole pas. En plus, les gars, non, mais on est 1 sur 1 partout. On est vraiment 1 sur 1 partout. C'est juste insane. Quoi. Putain, le putsch là. Il est tombé trop vite. Le putsch est tombé vraiment trop vite. Franchement, c'est... Franchement, je l'avoue, les gars. Dès le tour 1, vous venez. Boum, boum. Oh là là là. Et franchement, 80% crit, ouais. J'ai le même nombre de crit que sur bêta. Oh, yeah. Même en malus, n'est plus quoi, ça. Regardez, regardez. On va faire un tour. Oh, yo, 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 yo. Oh, c'est ouf. Ah non, franchement, c'est un step. Mais là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je l'ai pas mis avant? Bah, c'est simple, parce que j'avais pas les camas. Tout simplement. Ça coûtait trop cher. Mais franchement, les gars, quand vous voyez ce Rox, vous vous dites quoi dans votre tête? Est-ce qu'il faut nerfer le truc? Après, bien sûr, moi, j'ai je peux mettre le... Je vais mettre celui-ci, parce qu'en fait, le bouclier 4 feuilles, il est bof. Au corps à corps. En fait, il me faudrait un bouclier Captain Amakna, mais bon, je vais pas non plus acheter... À chaque fois que je peux acheter un truc, je vais pas non plus l'acheter, parce que sinon, pour les nuits, il restera plus rien. Donc, le cas qui monte à... Oh, franchement, je sais pas quoi dire sur ce step. Ah non, mais... Ah, je vous assure, quand je vois ça... Ah, ça m'a grave manqué, hein. Moi, je vous le dis, ça m'a grave manqué. Après, c'est pareil. Je veux dire, je peux même roxer terre. Regardez, je roxe terre. Je suis pas terre. Hein. Je suis pas terre. On prépare la pupu. On prépare une expi qui était même pas préparée. Ce stuff, il est incroyable. C'est... Bref, franchement, voilà, c'est le même stuff que je vous avais présenté sur bêta. Maintenant, je l'ai sur Ophi. Je suis sans doute le plus heureux du monde. Le meilleur stuff du jeu. Clairement, le meilleur stuff du jeu. Le meilleur stuff pour Kra. Sans aucune hésitation. Après, on parle... Moi, je parle surtout de PVM. Hein. Je parle surtout en termes de rock. Je parle pas forcément des résistances. La Vita, elle est correcte. Hein. 4100, j'en connais qui sont... Bon, du coup, qui rocks un peu plus. Parce que moi, j'ai mis mes stats. J'ai mis vraiment beaucoup de stats en Vita. Ouais, j'ai quasiment mis 700, du coup. Enfin, non, j'ai également... Enfin, j'ai exactement mis 600. 591. Sinon, bah, je suis parché partout. Et j'ai dû mettre un peu plus de stats chance parce que j'avais pas les conditions. En tout cas, bah, écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, je vous montre juste pour le fun. Il y a Optimus. Gros big up à lui. Qui m'a reconnu. Je vais essayer de faire un tour full rocks. Regardez, hein, quand vous dites à la flamiche, sentir critique, putain. Et ce stuff, il m'a trop manqué. Ce stuff, il m'a trop manqué. Moi, ça me fait super plaisir que de revoir ce stuff. Maintenant, là, je me booste en full crit et tout. Ah non, mais c'est insane. Ce truc, il est insane, vraiment. C'est des tours à plus de 5000 et quelques points de vie. C'est... Le truc, c'est qu'en fait, on rocks vraiment dans tous les éléments. Et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est vrai que pour moi, la Strigide à Champa de Greffe, elle existe depuis longtemps. En aucun cas, j'invente ce stuff. J'en suis totalement conscient, mais il y a pas mal de cras avec. Mais je trouve qu'il y en a pas assez. Vraiment, il y en a pas assez. Après, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se le payer. Et ça, j'en suis quand même conscient. Donc, regardez, hein, des harcelantes à 800. C'est vraiment un stuff qui fait qui fait peur, tout simplement. Un stuff qui fait...
Le truc, il est pas préparé, vous balancez ça. Sur du 0%. Imaginez avec ma team, voilà. Imaginez juste avec ma team ce que ça va donner. Avec les boosts, avec les vues, ça va être un truc de ouf. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Pour l'achat du stuff de l'Enutrop, demain. Ciao, les gars.